des petites minutes et je serai tout neuf. Est-ce que j'étais mort? Est-ce que j'étais déjà un fantôme? Le cinéaste de films fantastiques le plus inventif d'Hollywood revisite, jusqu'alors réinventé, le mythe cinématographique de l'homme invisible. Aidez-moi, mon Dieu ! Entre comédie et film fantastique, les aventures d'un homme invisible signé John Carpenter avec Chevy Chase et Barry Lana sur Canal+. Si on l'attrape vite, ce mec devient un atout. On est les seuls à être au courant de son existence. L'agent de renseignement idéal et inatteignable sera à nous. Depuis plus de 20 ans, Clive Walker, originaire d'Afrique du Sud, se consacre à la préservation de la faune sauvage. Ranger, auteur et peintre, Clive concentre aujourd'hui ses efforts sur la sauvegarde des rhinocéros, particulièrement menacés d'extinction. Dans la série Ma vie pour les animaux, Clive et les rhinocéros sur Canal+. Ça va, BPD? Moi, c'est qui, Philippe, ce soir? Ce soir, on fait un spécial Alexandre Dumas. Mais pourquoi, Philippe, pourquoi? Parce qu'Alexandre Dumas, il est formidable. Et puis, il y aura Alain Decaux, Chris O'Donnell et Daniel Zimmerman. Et pour l'occasion, vous êtes déguisé en mousquetaire. Ben oui. Moi, je suis déguisé en D'Artagnan, Antoine en Athos, Bonaldi en Porthos et Vandel en Aramis. Et moi, vous pensez qu'il faut que je me déguise, Philippe? Ce serait formidable, hein. Faut pas vous déguiser en mousquetaire, hein. Faut faire quelque chose d'original, PPD. Vous me trouvez comment, Richelieu, Philippe? Drôlement bien réussi, là, votre panoplie d'ecclésiastique, hein. Aussi bien que votre panoplie de journaliste, hein. Allez, c'est parti. Bonsoir. S'il était encore vivant, il serait parmi nous. Pardonnez-moi, je vous prie cette lapalissade, mais il va être question ce soir d'un écrivain qui a écrit 646 titres répertoriés, inventé 37 267 personnages, séduit un nombre incalculable de femmes, provoqué en duel au moins autant d'hommes, fondé des journaux, parcouru les continents, renversé des gouvernements, bref, un homme plus large que la vie et auprès duquel nos plus prolifiques romanciers font aujourd'hui figure de peine à jouir anorexique. Je veux bien sûr parler du grand, du prodigieux, de l'époustouflant et du merveilleux Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui nous a quittés le 5 décembre 1870 et on ne s'en consolera jamais. Tant il aurait fait un invité idéal qui nous aurait donné au moins une fois par semaine une raison de le recevoir, que ce fût pour un roman, une pièce de théâtre, un livre de cuisine, un essai historique, que sais-je encore. Pour nous aider, 124 ans après sa disparition, à nous en remettre, nous avons invité ce soir son biographe, qui nous rejoindra dans quelques instants, Daniel Zimmerman, un jeune comédien américain qui interprète à son tour D'Artagnan, Chris O'Donnell, et bien sûr, le très respectable président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, Alain Decaux. Et une salle particulièrement chaude ce soir, puisque nous comptons parmi nous des élèves de l'École supérieure de management d'Avignon. Ouais, ils
sont plutôt par là. Alors, monsieur le président, bonsoir. Ça faisait longtemps. Bonsoir, monsieur. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire cette émission sur Alexandre Dumas, la biographie de Zimmermann. Pas vous. Quoi, pas vous? Vous. Maître, regardez, il a tellement envie ça, de ressembler salaud, à Alexandre Dumas qu'il a commencé par le petit bout, c'est-à-dire le côté cuisine, et il a réussi à se tirer la couverture de vin et gastronomie. Ben Dumas aurait aimé. Ben oui, l'ennui c'est que de Dumas, il n'a que ça pour l'instant à ma connaissance. Oui, mais alors s'il commence comme ça, il y a beaucoup à faire parce que Dumas a fini par ça. Ça a été son dernier bouquin, la gastronomie. Tu vois Antoine, je t'avais dit qu'il fallait commencer par écrire les Trois Mousquetaires. Ce qui m'ennuie en plus, regardez quand même de près, ce qui m'ennuie en plus c'est que il y a donc Antoine Decaune la vedette, et à côté c'est marqué Terroir du Sud-Ouest, alors j'ai cru que c'était à cause de Terroir du Sud-Ouest, puis après j'ai eu un doute, parce qu'il y a Côte de Bourg. Je te demande si c'est pas pour Côte de Bourg. Allez, on y va. Vous voulez que je montre la couverture du journal des... rien du tout. Ne des gastro-entérologues, là, dont vous faites la une ce mois-ci. Pas de jalousie. Nous avons un académicien français, le plus populaire en plus, en profite. Alors, la première question, celle qui me brûle les lèvres, à quand remonte votre passion pour Alexandre Dumas? Je le sais très exactement, j'avais 11 ans. Je venais d'être opéré de l'appendicite, et puis à cette époque-là, on restait quelques jours étendus. Aujourd'hui, on vous lève 5 minutes après. Bon. Mon grand-père m'a apporté 6 volumes, c'était le Comte de Monte Cristo, à raison d'un volume par jour, j'ai mis une semaine, 6 jours, et puis voilà. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je lise Alexandre Dumas, et j'ai lu, pas tout Dumas, parce que personne n'a lu tout Dumas, je ne suis pas sûr que Dumas lui-même ait lu tout Dumas. Daniel Zimmermann, je crois. Oui, peut-être, peut-être. Mais enfin, là, Dumas, ça a carrément escorté toute ma vie. Mais vous voulez dire que si vous n'avez pas lu tout Dumas, c'est que son œuvre est si considérable que nécessairement il était aidé. Oui, il était aidé. Et qu'il y a même une partie qu'il n'a peut-être pas écrite. Il y a un certain nombre d'ouvrages, très peu, où il a très peu mis la main. Oui. Mais c'est vraiment exceptionnel. Même dans les grands ouvrages où il y a eu des collaborateurs, le meilleur étant Maquet. Maquet, oui. Il faut rendre honneur à Maquet, qui a été vraiment, disons, le collaborateur numéro un. Eh bien, même dans ses ouvrages, ce sont des livres de Dumas. Alors, attention, parce que c'est pas seulement l'inventeur, c'est que, bon, d'abord, il a l'idée, la plupart du temps, presque toujours, l'idée, c'est un conteur. Hein, c'est un homme avec une imagination absolue, extraordinaire, la plus grande imagination de la littérature française. Et j'ai toujours pensé que le fait qu'il ait eu une grand-mère noire, esclave noire, n'était pas étranger. Vous savez, en Afrique, il y a le griot qui raconte. C'est possible que ce quart de sang noir ne soit pas étranger à cette imagination fabuleuse. Alors attention, qu'il se soit fait aider, ça n'en fait pas pour autant un Sulitzer du 19e. Ah non, parce que c'est lui qui...